c'est Maya. Aujourd'hui, on va faire napolitain. C'est des spaghettis à la japonaise. C'est un plat assez familial. On trouve pas tout. C'est assez rapide à faire et super bon. Pour de toute façon, il faudra 200 g de spaghettis, 8 cuillères à soupe de ketchup, 1 cuillère à soupe de Worcestershire sauce ou tuna sauce, 4 knacki, un petit oignon, un demi poivron et un peu de beurre, 1 cuillère à café de sucre et d'huile d'olive, sel et poivre et parmesan. Voilà, c'est parti. Faites cuire les pâtes. Il faut qu'elles soient fondantes. Coupez les légumes et les knacki. Faites chauffer une poêle à feu fort. Ajoutez de l'huile d'olive. Faites revenir l'ail. Faites cuire les légumes et knacki. Ajoutez le sucre. Dans un coin de la poêle, ajoutez 6 cuillères à soupe de ketchup et la sauce Worcestershire. J'ai utilisé un ketchup déjà mélangé. Ajoutez un peu d'eau de cuisson des pâtes, 2 cuillères à soupe. Égouttez les pâtes. Ajoutez les pâtes dans la poêle. Ajoutez un peu de beurre. Et les deux dernières cuillères à soupe de ketchup. Mélangez. Salé et poivré. Servez. Ajoutez le parmesan. Ça y est, c'est fini. Ça sent trop bon. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Bon appétit. Yokattara, chanel touroku shite ne.